Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Hotspot, votre chronique sur les 7 héros gratuits de la semaine sur Heroes of the Storm. On commence avec Malfurion, soutien à distance de l'univers de Warcraft, qui peut produire d'importantes quantités de soins sur la durée, mais qui possède peu de burst. Il peut aussi piéger l'ennemi ou rendre de la mana à ses alliés. Malfurion nécessite de connaître un minimum les héros des ennemis afin d'accomplir son rôle avec efficacité, car vous allez devoir faire preuve d'anticipation. Vala, assassin à distance de l'univers de Diablo, très mobile, qui augmente sa force grâce à ses attaques de base. Véritable tueuse, Vala peut aussi bien s'orienter vers des dégâts massifs de zone ou en mono-cible. Vala est un des héros du jeu capable de faire le plus de dommages possible en un minimum de temps. Elle peut dépêcher parfaitement, elle possède un bon poke, mais elle manque tout de même de dégâts contre les tanks, et en plus, elle bouffe de la mana beaucoup trop vite. Shen, guerrier au corps à corps de l'univers de Warcraft, qui inflige des dégâts supplémentaires en utilisant ses capacités sous forme de combo, c'est une sorte d'hybride DPS tank. C'est un tank des plus résistants grâce à sa capacité à résister à l'alcool. Il aime bien boire, ce Shen. Ses mécaniques très spéciales lui donnent une très grande capacité de zoning et lui permettent de dévier l'attention des gros ennemis. En effet, si on l'interrompt pas, il est souvent inutile de focus Shen car il est bâti pour encaisser beaucoup de dégâts. Luizel, soutien à distance de l'univers de Warcraft, qui soigne passivement tous ses alliés proches et qui est capable de se téléporter près d'un allié n'importe où sur le champ de bataille. Soutien stratégique, capable aussi de protéger ses alliés donc et de lancer polymorphe sur les ennemis. Elle apportera du soin, augmentera la résistance aux attaques de base aux alliés et en plus vous disposez d'un contrôle très puissant. Votre mobilité globale vous permettra de provoquer des situations de supériorité numérique. Kerrigan, assassin au corps à corps extrêmement agressif tiré de l'univers de Starcraft, elle peut bondir sur sa cible tout en la contrôlant et en infligeant de lourds dommages. Kerrigan est tout de même assez fragile, une fois le combat engagé, vous deviendrez une des cibles principales de l'équipe adverse. Attention donc à être sûr de pouvoir engager. Si vous pouvez soigner votre composition d'équipe, Kerrigan est très difficile à jouer sans support et bénéficie énormément des boucliers que peuvent vous fournir votre équipe. Au niveau 12, cette semaine, vous pourrez jouer avec Sergent Marteau, spécialiste à distance de l'univers de Starcraft, qui dispose d'un mode de siège immobile de très longue portée, dont l'attaque de base fait des dégâts de zone. Très fort pour pousser sur les lignes ennemies, elle génère d'importants dégâts en teamfight. En combat, son positionnement est compliqué, mais une fois bien géré, ce tank fait des merveilles, vraiment. Au niveau 15, vous pourrez jouer cette semaine avec Kael'thas, assassin à distance tiré de l'univers de Warcraft. La quasi-totalité du DPS de Kael'thas vient de ses sorts et non pas de ses auto-attaques. Il possède un kit puissant et des ultimes utilisables très souvent. Son panel de sorts de zone très fourni lui permet de réduire une équipe entière en cendres si elle reste trop regroupée. Cependant, Kael'thas est l'un des héros les plus fragiles du jeu et a très peu de mobilité. Voilà pour la présentation des 7 héros de cette semaine. Suivez-nous, Ivasson Studio, sur tous les liens qui défilent à l'écran ainsi que dans la description de la vidéo. À la semaine prochaine et bon jeu.